1224. Comme vous le savez tous, aujourd'hui la Guinée jouait contre l'Égypte, match comptant pour la qualification du CAN Côte d'Ivoire 2024. Très tôt dans ce match, Cherou Glacy ouvre le score à la 26e minute sur une combinaison bien parfaite enclenchée par le capitaine Naby Keita qui a servi à Issa Gassilla sur le gauche. Le joueur de Montpellier fait une passe parfaite à l'actuel buteur de Stuttgart. Une passe un peu rétro sur le point de pénalty. Et le joueur de Stuttgart ne se fait pas prier pour la mettre au fond. Le Sili National reste dans son match. Après avoir mené au score par le joueur de Stuttgart, Cherou Glacy, qui d'ailleurs qui est à sa première, qui vient d'ouvrir son compteur de but en équipe nationale. Cherou Glacy, un joli but d'attaquant de Renard de Sirvasse. Mais c'est une joie de court durée avec une équipe égyptienne engagée et conquérante qui ne lasse rien. Leurs efforts finiront par payer. Sur une action, Mohamed Trezeguet va égaliser pour l'Égypte, lui aussi avec un joli but d'attaquant. Le joueur de Trabzonspor avec une extérieure de pied égalise pour l'Égypte. Le Sili tient le match, domine, se crée des occasions. On a vu Ilex Moriba envoyer des balles aux tribunes, jouant très perso, et le Sili se fait punir par Mohamed Mustapha le Nantais.